La guimauve vaut chanvre, ou guimauve à feuilles de chanvre, ou encore guimauve de Narbonne, Alta cannabina. C'est une plante vivace de la famille des Malvacées. Elle est généralement très ramifiée, dressée, dépassant très facilement le mètre de haut et pouvant aller jusqu'à 1,80 m. On peut la rencontrer jusqu'à 1000 mètres d'altitude, dans les cultures, les bords de route et chemins forestiers, sur sol neutre à calcaire de préférence. Elle est présente dans une bonne moitié sud de la France, avec une préférence pour l'extrême sud-est, mais avec côté ouest une remontée jusqu'à l'Allier, Maine-et-Loire et Charente. Son exposition idéale va du plein soleil à la mi-ombre. Les feuilles sont profondément découpées en lobes dentés, les supérieures très étroites, rappelant celles du chanvre ou du cannabis. Comme on peut le voir ici, on dirait vraiment du cannabis ou du chanvre. Mais elle n'en a pas les effets, bien entendu. Les fleurs ressemblent beaucoup à celles des mauves. Elles sont rose clair. Elles apparaissent en début d'été, entre juin et août. Ce n'est donc pas une fleur de printemps. Elles sont dotées de nombreuses étamines soudées en tubes à anthères pourpres de couleur framboise, comme on le voit ici. Une très belle couleur. Jeunes pousses, feuilles et fleurs sont comestibles. Voilà les amis, pour cette jolie plante à jolies fleurs. Ces fleurs qui mesurent entre 2 et 3 cm de diamètre à peu près. Voilà, il est temps de vous laisser. J'espère que la découverte vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine découverte. Ciao, ciao.